Hello les pinous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo hors live sur Animal Crossing. Bientôt, je ferai aussi des petits épisodes hors live sur Pokémon, comme je vous l'ai indiqué au dernier live d'ailleurs. Il n'y a pas eu de live entre-temps. Pour pouvoir faire de l'entraînement de Pokémon, compléter le Pokédex, mais vraiment sur des Pokémon où j'ai pas beaucoup de niveaux et que faut monter les niveaux et c'est du farming quoi. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 6 mars, il est 6 mars 2024, hein, pour ceux qui regarderaient la vidéo l'année prochaine. Donc on est le 6 mars, il est très exactement 13h54. C'est une journée un peu particulière pour moi, donc du coup je me suis dit, allez, on se fait une petite vidéo Animal Crossing. Je n'ai pas du tout avancé dans le vide de l'atelier, mais je fais juste une petite vidéo de, allez, 3 heures grand max. J'essaye d'être sérieuse, de faire que 2 VOD. De toute façon, j'ai bien assez de contenu pour YouTube en ce moment. C'est juste histoire de prendre un petit peu de temps pour moi. Et voilà, juste pour prendre un petit peu de temps pour moi, pour me faire un peu plaisir. Et après, je m'y mets au rangement. Il est bientôt 14h. Je pense que je vais jouer jusqu'à 17h grand max. Ensuite, je vais faire 2 heures de rangement intensif. Et faut que je m'occupe de ma lessive aussi. Et ensuite, vers 19h, en fait, je poste le rappel. Il faut que j'aille me chercher à manger parce que, bah voilà, enfin, j'ai envie d'un bon repas ce soir. Donc, 19h, je vais aller me chercher un truc à emporter. Et vers 20h, je pense que j'aurai un petit peu de retard de ce fait. Vers 20h, une fois que j'aurai mangé, que je me serai douchée, que voilà, je lancerai le live sur la fin de Another Code. Aujourd'hui, c'est la fin de Another Code. C'est sûr et certain. Il reste 2 chapitres et demi, je crois, un truc comme ça. Donc, on va faire du Another Code. Et je pense qu'après, je vais me faire plaisir. Si jamais la fin est trop rapide, je vais me faire plaisir. Je vais jouer ma nostalgie jusqu'au bout. Parce que là, cette semaine, c'est vraiment des gros lives nostalgie au final. Entre Pokémon lundi, mercredi. Enfin, aujourd'hui, on va faire du Another Code. Vendredi, on va faire un peu de Tales Up sur des thèmes des pirates. Et dimanche, on verra si je suis dispo ou pas. Mais en tout cas, c'est vraiment grande session de nostalgie en ce moment. Faut pas que j'oublie de brancher mes manettes parce que si Another Code finito, on fera un jeu également sur Switch, donc du coup il vaut mieux que mes manettes soient bien chargées à bloc. Sur ce, on va se retrouver, hop, pour du Animal Crossing. Voilà, parce que je papote, mais nous ce qu'on veut c'est jouer. Donc aujourd'hui, petite session sur Animal Crossing, en ce jour, ça va me faire du bien. Par contre, la caméra est de nouveau vachement haute. Voilà. Vivement que. Vivement que l'atelier soit fini de ranger, que je puisse avoir une caméra fixe, hein, parce que. Enfin, elle sera jamais réellement fixe, mais au moins elle sera attachée à mon écran et j'essaierai de ne pas trop mettre de coups dedans pour éviter de la. Pour éviter de la foutre en l'air. Et en plus de ça, on aura un angle de caméra qui sera quand même un peu plus sympathique. Vous m'excuserez si vous entendez des bruits chelous. J'ai ouvert ma fenêtre parce que envie d'aérer. Oh, il fait beau aujourd'hui. Ah, j'allais dire, j'ai oublié de prendre mon téléphone encore. Non, c'est bon, j'ai mon téléphone. J'ai mon téléphone, je mets tout de suite maintenant l'application Animal Crossing.
sur mon téléphone. Et on est parti. On va pas faire beaucoup de chasse aux insectes ou aux poissons aujourd'hui. On va essayer de faire, on va dire, le strict minimum. Mais voilà, enfin, le strict minimum, mais pas trop. On va essayer de jouer quand même jusqu'à 17h grand max. Et quand je dis 17h grand max, ça peut aller jusqu'à 17h15, mais voilà, faut que je me fixe 17h, parce que sinon je déborde toujours beaucoup trop. On est parti? Il est 14h tout pile. Calendrier. Bonjour à tous, chers résidents de Lille. En ce mercredi 6 mars, il est actuellement 14h sur notre terrier. De plus, Sarah, la grande star de notre île, fête son anniversaire aujourd'hui même. Un très bel anniversaire! Tout de suite, la suite des annonces du jour. Merci, Marie! Demain, c'est le terrier tout entier qui verra le cœur gros, le départ d'Anne. Ah oui, c'est vrai. Il y a Anne qui s'en va demain. Bah, c'est tout, Nounou. Bah oui. Les adieux sont toujours difficiles, mais nous lui souhaitons tous beaucoup de succès pour la suite. C'est vrai, il y a Anne qui s'en va. Elle n'est pas partie encore. Ne manquez pas de passer la voir avant son départ et n'oubliez pas votre mouchoir. C'est tout pour aujourd'hui. Amusez-vous bien sur notre île paradisiaque. Merci Marie. Mais arrête de râler, toi. Chut. Oh, Nora. Sarah, suis-moi, faut que je te montre un truc. Oh, j'aime pas les anniversaires surprises, Nora. Arrête, Cookie. C'est tout. Tout mon bébé. Cookie, s'il te plaît, Nounou. Oui. Bon anniversaire. Oh, merci. Ça te souffle, hein? On a appris qu'aujourd'hui c'était ton anniv, alors on a organisé une petite teuf. Bon, voilà pourquoi je voulais me connecter à Animal Crossing aujourd'hui. Je suis pas fan des anniversaires. Je dis jamais trop. Enfin, là par exemple, pour mon. À l'orchestre, ils ne connaissent pas la date de mon... Enfin, je crois pas, du moins, j'espère pas. Mais en tout cas, je vais pas en parler. J'ai pas envie, en fait. J'ai pas envie qu'on me... Parce que nous, on joue joyeux anniversaire au violon quand c'est l'anniversaire de quelqu'un. J'ai pas envie de ça. J'ai pas envie qu'on me fête mon anniversaire. C'est pas un truc que... Voilà. Mais du coup... Pardon, j'en parle pas, mais je voulais quand même aller sur Animal Crossing pour voir un petit peu ce qui se passe quand c'est son anniversaire, parce que c'est mon premier Animal Crossing, je rappelle. Et donc, bah, je me doutais qu'il y avait un truc qui allait se passer, mais je m'attendais pas. Je m'attendais à rien, quoi. En parlant de souffler, t'as des bougies à éteindre, petite mère. Approche du gâteau et appuie sur A, Golerie. C'est génial. C'est trop drôle. Dans vos faces, les bougies. T'es prête pour ton cadeau? J'ai hâte de voir ta tête. Je suis pas sûre que ça va te plaire, mais tiens, c'est cadeau quand même. Encore une fois, joyeux anniversaire, Sarah.
Oui, Cookie, j'ai compris. Attends de voir ce que je t'ai préparé. Je suis loin d'en avoir fini avec toi, Sarah. Tiens, un jeu, ça te tente? Bouge pas, je prépare ça. Oh là là, ça va durer 3000 ans. Tada, vise-moi un peu ça, elle est pas belle, ma piñata. Putain, mais Nora, je devais jouer que 3 heures. Si on fait une fête d'anniversaire toute l'après-midi, ça va pas le faire. On a tous bossé dessus, elle est pas mortelle, Gollery. En plus, il y a ton cadeau à l'intérieur, alors mets-y un coup de tatane pour le récupérer. Bon, on a une piñata à défoncer. Fais-moi signe quand t'es prête à lui faire sa fête, Gollery. T'es prête, Sarah? Tu vas devoir taper vite et taper fort. Allez, place-toi en dessous. Pour défoncer une piñata, il n'y a pas 36 solutions. Faut cogner comme une maboule à vitesse grand V. Alors quand je te dirai go, appuie le plus rapidement possible sur A sans t'arrêter, d'accord? Oh putain. Attention, prête, go. Fais-toi plaisir, c'est parti, bonne chance. Allez, mets tous mes nerfs dessus. Oh la vache. Ouah, elle a pris cher la piñata, t'as fait pleuvoir une tonne de cupcakes d'anniversaire. Ils sont vraiment trop bons, ces cupcakes d'anniversaire. Pardon, je règle le son en même temps. Il y en a tellement, si t'en as trop, fais pas ta radine et partage-les avec les autres, d'accord? Plutôt sympa, hein? Tout le monde y a mis du sien pour qu'on se marre à fond les ballons. D'ailleurs, la célébration elle-même est bouclée. Maintenant, place à la teuf, Gollery. C'est tellement bien les fêtes d'anniversaire. Pourquoi on n'en organise pas plus souvent? Hé, Sarah, tu veux pas qu'on refête ton anniversaire demain? Non, non, ça ira. Alors, tu t'amuses bien, Sarah? On a installé plein de décors rien que pour toi. Bien sûr, c'est moi qui ai soulevé toutes les choses lourdes. Ils sont trop mignons. J'adore les décorations d'anniversaire, les ballons, les guirlandes, toutes ces couleurs. Et bien sûr, il faut pas oublier la décoration principale, le gâteau. Je croyais qu'il allait dire moi. Non, je déconne. Oh là 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 là, mais c'était trop gentil les copains, merci, fallait pas. Nous avons choisi un cadeau pour toi tous ensemble. Moi j'ai dit qu'il te fallait un banc de muscu, mais faut croire que mes idées sont trop avant-gardistes. C'était rigolo de frapper la piñata, hein? Et t'as eu tout plein de cupcakes d'anniversaire. Dis Sarah, t'aurais pas besoin d'aide pour manger tout ça, lionceau? Bah en fait tu me proposes même pas de te l'offrir. Elle déchire ta fête d'anniversaire, j'ai hâte qu'on remette ça l'an prochain, Gollery. Oui! Arrête, Cookie. C'est trop drôle. Bon allez, j'y vais, c'est pas le tout. Tu t'en vas déjà? Ok, à plus Sarah, c'était cool aujourd'hui. Merci encore, j'ai pas ouvert mon cadeau. J'ai même pas ouvert mon cadeau. Mais regardez-moi tous ces fruits qu'il y a à cueillir, j'ai pas le temps, il faut que je bosse. Joyeux anniversaire, c'est toujours chouette de faire la fête autour d'un bon gâteau avec ses meilleurs amis. C'était trop bien. Bon, mon cadeau. Oh, j'ai 10 cupcakes. Putain. Alors, qu'est-ce que c'est? Seule fête. Bizarre comme cadeau. Tiens, Sarah, on t'a offert un cadeau. Du carrelage.
Ah oui, c'est... c'est le bordel, quoi. Arrête, Pookie. Tu arrêtes. Tu arrêtes. Oh là 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 là. Alors... Merde, ma... Non, remets cette boîte aux lettres. Ah, j'ai une lettre de maman avec un cadeau. C'est qui? C'est Nora qui avait envie d'une maison de poupée. Conseil déco, voici un bon conseil. Essaye de rassembler des meubles de même couleur, cela renforcera l'élégance et l'harmonie de ta décoration. Mais je t'emmerde en fait, mon petit père en fait. Elle est pas encore décorée ma maison, faut me laisser le temps. Ma chère Sarah, tu as pris du galon aujourd'hui, te voilà plus vieille d'un an et plus sage aussi. Mais maman! Suffisamment mûre peut-être pour essayer à nouveau le brocoli? Bon, j'aime bien le brocoli. Quoi qu'il en soit, tu seras toujours ma choupinette. Joyeux anniversaire, maman. Qu'est-ce qu'elle m'a offert? Gâteau. Bon, la maison de poupée, c'est pour l'offrir à Nora. C'est quand son anniversaire à Nora? Parce qu'elle m'avait dit qu'elle aimait bien. Elle m'a dit qu'elle aimait bien les... Quand t'auras fini, bébé. C'est tout. C'est le 2 septembre, ça fait loin. Ça fait loin. Bon, je range tout ça. Arrête, Cookie. Je vais en entreposer. On a combien de villageois, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. En retirer un. Voilà. Mais t'as fini? Bah oui, c'est à toi que je parle. Bon, je remets mon arbre. Oh, si, 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 si. Si, 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 si. Il y a la place. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Voilà. Alors, petite cueillette de fruits. Arrête, Cookie, s'il te plaît. Il a décidé d'être un petit peu chiant aujourd'hui. Merde! Non! Laisse cette chaise tranquille! Je vais les visser au sol, ces chaises. Ah, c'est toute une gymnastique hein, de récupérer les... Alors,
Oh! Alors oui, mais non. Petite fun fact, à cette heure-ci, j'étais pas née encore. Bon, on le déterrera plus tard. Hein. Alors, on récupère du blé. Du blé, des tomates. Qu'est-ce qu'il fait beau. Après, je dis rien, chez moi aussi, il fait beau. Là, j'ai évidemment laissé les volets fermés parce que sinon, vous me voyez pas. Enfin, vous me voyez à contre-jour. Donc, quand je filme des vidéos, je suis obligée, en fait, de les... Oh, il y a des... Il y a des fleurs qui ont poussé. C'est quoi comme croisement? C'est des fleurs roses. Ah, c'est concours de pêche aujourd'hui. Ah non, c'est des jatins de jaune. Mais. Soyons organisés. Parce qu'on n'a pas non plus 5 heures devant nous. Pour ceux qui diraient que j'aime pas fêter mon anniversaire parce que j'aime pas fêter un an de plus, c'est pas ça. J'aime pas être le centre de l'attention. C'est assez bizarre à dire étant donné que je stream, mais j'aime pas être au centre de l'attention de beaucoup de gens en fait, enfin de... mais physiquement. C'est pour ça que moi fêter mes anniversaires c'est un peu un calvaire quoi. Alors on fête plus, enfin on avait fait une fête pour mes 20 ans je crois. Mais depuis on n'a pas fait de grosse fête pour mon anniversaire et tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Je ramasse tout ce qui peut se vendre. On va faire un premier dépôt à la boutique. Tant que j'y suis, je prends ce qu'il y a devant.
pitié. Mao, toi aussi tu t'y mets. Bonjour, sois la bienvenue à la boutique Nook, c'est un plaisir. Bonjour les raccoons. Qu'est-ce qui t'amène? Achète-moi des trucs. Bien sûr, qu'est-ce que tu veux vendre? Beaucoup de choses. J'ai eu un moment de bug là. Voilà. Tu as apporté beaucoup de choses cette fois. Laisse-moi juste le temps d'additionner tout ça. Et voilà, je peux te racheter le tout pour 35 180 clochettes. Qu'est-ce que t'en dis? Marché conclu. Repasse quand tu veux, c'est toujours un plaisir. Mais en plus... Oh, un jeu de cartes. Un jeu de fléchettes. Je veux pas de ça chez moi. N'empêche, je me fais pas mal de blé. Hein. Oh, il est trop beau, le filet. J'arrive pas à pêcher avec la pêche, la canne à pêche colorée. Il est trop beau, le filet. Allez, je me fais un cadeau. J'avais pas dit qu'il fallait que je rachète des haches. Ombrelle en dentelle. Je me fais des cadeaux. Hein. Chrono. Anémone, chrysanthème, tulipe. Papier jaune-vert. Papier menthe. Je réfléchis. Je réfléchis, je réfléchis. J'aimerais bien commencer à faire la déco de la maison quand même. Sol terre cuite, c'est parfait pour une cuisine. Mais en même temps, j'aime beaucoup ce petit... Une idée d'avoir un petit parquet comme ça. D'ailleurs, je me suis pas changée. Merci beaucoup, beaucoup. De rien, les raccoons. Merci à vous. Et à tout à l'heure. En fait, j'hésite parce que je trouve que les pièces sont beaucoup trop petites pour faire une cuisine. Enfin, les pièces à droite et à gauche. Je trouve qu'elles sont beaucoup trop petites pour faire une cuisine. Et je me dis peut-être faire une cuisine ouverte. Faire un séjour, en fait. Séjour cuisine, salle à manger, salon. Une chambre d'amis, même si je sais, hein, ça sert à rien. Un atelier et une salle de bain, juste là. Parce que je les trouve vachement petites, en fait, les pièces.
On va quand même garder un filet, je suis un peu bécasse. On sait jamais s'il pète. Est-ce que j'ai ça aussi? Carrelage en diagonale qui peut aller dans une cuisine. J'hésite quand même. J'aimerais bien faire une cuisine, pure cuisine quand même. Fait longtemps que je les ai pas classés, ces trucs-là. J'en ai pas un dans mon inventaire. Alors attendez. Coin de kéké. Rechercher. Complainte. Je l'ai noté. Étude. Je l'ai noté. Groove. Je l'ai pas noté. Il est noté. Marathon. Je l'avais pas noté. Saul. Je l'avais pas noté. Star. Je l'avais noté. Par contre, il y a plusieurs. Ah, mais c'est peut-être parce que. C'est bizarre. Le sol de Kéké, il est en dessous aussi. Donc j'ai dit star. Je l'ai noté. La pente. Je l'ai noté. Et la polka. Je l'ai noté. Ok. Pleut des messages. Normal. Bon. Ah, je me suis pas changée. Ça va durer plus que 5, jusqu'à 5 heures. Que comptes-tu faire en ouvrant l'armoire? Va me changer, j'ai pas fait ça pour rien. Alors, parce qu'il pleut plus. Plus de docteurs. Gilet sobre. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Je vais mettre ça. Où est mon cœur? Où est mon chat? Là, ça fait beaucoup noir sur noir quand même. Donc, je vais mettre le petit jean délavé. Quoique. Peut-être recycler, ça me fume.
Ça me paraît pas mal. J'étais là, je fais, c'est quoi ce bruit? C'est ma machine à laver. Tout va bien. Alors, on s'en arrêtait arrêté près de la maison de Biff. Est-ce qu'il y a du monde? Ah, il est parti. Parti à l'entraînement. Qu'est-ce que j'aime quand il fait beau sur ces îles? C'est quand même ultra plaisant. Merde, non! Range cette hache! Assassine! Des cadeaux. Ah, il y a des tulipes qui poussent, qui poussent. Oui, bien sûr, ça va. Qui poussent un peu partout. Non, 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 non. On ne pousse pas partout. Ça va pas la tête. J'ai des parterres fleuris qui sont parfaits. Que je puisse mettre des... Oh! Alors là, par contre, je pense que ce sont des tulipes d'une autre couleur. Tulipes noires. Je crois que c'est ma couleur de tulipe préférée. Coccinelle.
on en était arrêté là. Je papillonne là. J'ai l'impression que je vais pouvoir faire d'une pierre deux coups. Ils sont tous les deux en train de faire du sport. Je vais leur donner des cupcakes alors qu'ils sont en train de faire du sport. Fossile! Salut, on se croise à nouveau. Hips, hips, ça te ferait plaisir? C'est un cadeau pour moi, ce cupcake? Ouais, j'ai des abdos en plus au cas où il y aurait du gâteau, justement. Merci beaucoup, Sarah. Oh, mais c'est vrai, j'ai quelque chose à t'offrir, moi aussi. Merci. Attention, va pas te la couler douce maintenant sous prétexte qu'on vient de fêter ton anniversaire. J'espère continuer à t'avoir comme principal rival. Rival de quoi? Putain, mais qu'est-ce qui lui arrive à lui? Coucou, c'est un temps idéal pour une promenade, non? Tiens, c'est pour toi. C'est un des cupcakes d'anniversaire qu'on t'a offert à la fête? Celui-là, je le reconnais parce que j'avais un peu léché le glaçage en espérant que tu remarques pas. En tout cas, merci, je vais pouvoir finir ce que j'avais commencé. Il se trouve que moi aussi, j'ai un cadeau pour toi. J'espère qu'il te plaira. Alors, est-ce que tu te sens plus vieille qu'hier, Sarah? Bah, toujours. Je peux faire quelque chose pour toi? On discute? Le gilet sop que tu portes te donne l'air d'une vraie baraque. Tiens, peut-être qu'en ajoutant une cagoule stérile, tu ressemblerais à un château. C'est le style parfait quand on a des muscles bien dessinés. Mais arrêtez de me donner des cadeaux, je suis gênée. Ne sois pas timide. Moi, je préfère offrir que de recevoir, en fait. Je voudrais être amie avec tous les habitants de l'île, alors je veux tout savoir sur tout le monde. Voyons, qu'est-ce que je pourrais te demander? C'est quoi ton plat préféré? Oh là, c'est compliqué. Parce que si c'est un truc que je connais pas, faut absolument que j'essaye. Le ragoût, la pizza, les beignets, autre chose, j'ai pas de préférence. J'ai tellement de trucs que j'aime maintenant. En vrai, la pizza, tu peux faire n'importe quoi avec, mais j'aime bien les crêpes aussi. J'ai pas de préférence. Personne ne t'en voudra. C'est pas facile de se décider sur un plat préféré avec tout le bon manger qui existe dans le monde. C'est ça, j'adore les pâtes, j'adore la pizza. En fait, j'aime... En fait, les plats, suffit que ça soit bien fait. Parce que concrètement... Oh, il y a une menthe religieuse. Concrètement, il y a des plats... Il y a tellement de possibilités de... Genre les pizzas, on peut les faire à plein de choses, les crêpes aussi. Et donc du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que bah, ça dépend ce qu'on met dedans, quoi. Tout simplement. Oui, Cookie. Genre, par exemple, les pâtes, je préfère les pâtes carbo aux pâtes bolognaises. Mais ça n'empêche que j'aime bien les pâtes bolognaises. Bonjour, monsieur. C'est bien moi, Pollux. Le seul, l'unique castor à mettre en verre, la poisse gluante de nos rivières. Et oui, je suis toujours en vadrouille, peau de pêche, plus décidée que jamais.
à faire sonner les clochettes aux oreilles des amateurs de verre qui savent faire mouche. Mais de toi à moi, le bon poisson, le poisson de luxe, ce n'est pas si facile à trouver. Du coup, pour être sûr de ne pas me retrouver avec du fretin bas de gamme, je me suis fixé des normes. Avant d'acheter quoi que ce soit, je fais passer un examen de pêche à mes fournisseurs. Malin, bref. Malin quoi? Malin bref? Malin 1? Malin quoi? Je t'explique le deal. Si tu réussis mon examen de pêche, je fais sonner les clochettes, ça te tente? Oh, et je fournis aussi des objets de collection absolument uniques en leur genre, si c'est ça ton truc. Je veux passer l'examen. Fantastoche! Dans ce cas, c'est parti pour un petit examen de pêche. Aujourd'hui, c'est sujet libre. Aligne tes plus beaux verres et attrape tout ce que tu veux. Il faut juste que tu enchaînes 5 prises à la suite, ok? Ah, et si tu laisses échapper une prise avant d'avoir attrapé les 5 à la suite, c'est perdu. On se croirait dans Question pour un champion. Donc, tâche d'avoir le nez malin. Bon, ça, c'est très très dur pour moi, par contre. C'est le genre d'épreuve qui est très dur pour moi, ça, d'en faire plusieurs à la suite. Surtout qu'en plus de ça, on m'a expliqué que, en fait, le jeu fait un bruit quand... il fait un bruit quand c'est sur le point de mordre. Mais comme j'ai un décalage au niveau du son et de l'image, bah c'est un peu emmerdant. Je sais pas si j'aurai le temps de passer l'examen de pêche. Donc je regarde juste un truc. Arroser, vendre des mauvaises herbes, attraper des insectes, planter des arbres fruitiers. Ok. Il n'y a pas assez d'arbres fruitiers sur cette île. Faut que j'en plante d'autres. Donc on a vu Biff et Léo pour le moment. Oh Sarah, tu me surprends en plein bricolage, plongée dans mon bouillonnement créatif habituel. Tu bricoles quoi? Excellente question, sous tes yeux ébahis, je suis en train de fabriquer un chandelier d'or. L'inspiration m'est venue d'un rêve fiévreux dont j'étais le valeureux héros l'autre nuit. Oh, tu sais peut-être déjà faire un chandelier d'or, bien sûr. Comme quoi les grands esprits se rencontrent à l'établi. Cela dit, ça me ferait mal au cœur que ce plan de bricolage prenne la poussière. Tu n'as qu'à le prendre, tu trouveras bien un ami qui en voudra. Après tout, qui n'a jamais rêvé d'avoir un chandelier d'or? Putain, j'arrive pas à le dire. La dyslexie, c'est moche. Estampillé Mathéo qui plus est. Avec un peu de chance, d'ici peu, tout le monde voudra fabriquer un chandelier d'or. Tu pourras peut-être m'aider à démarrer une autre sensation internationale, Nanache. Joyeux anniversaire! Oui, on te l'a déjà dit 10 fois, mais il faut faire avec, c'est la dure vie des stars. Tiens, c'est pour toi. Ouah! Alors là, je dis pas non, Nanache, ça a l'air délicieux. Tu distribues des cadeaux alors que c'est toi qui as pris un an de plus? Du Sarah tout craché. Ah oui, moi je suis un peu comme ça. Du coup, tu m'autoriseras à faire du Mathéo tout craché? J'ai quelque chose pour toi, moi aussi. Je vais me retrouver avec je sais pas combien de cadeaux. Et te voilà un peu plus près d'avoir la sagesse des anciens. Pas encore autant que moi, ceci dit. Ah ah. Nanache, raconte-moi tes dernières aventures. Et si on discutait? Bon, je vais pas te mentir, je ne suis pas bon danseur. Je suis un danseur de niveau mondial. Mais je ne peux pas me trimballer en disant ça à tout le monde, j'aurais l'air de me vanter. Du coup, ça t'embêterait de faire passer le mot à ma place? Il a l'air vénère à chaque fois. Il me fait trop rire. Je l'aime beaucoup, ce petit écureuil. Je veux pas qu'il parte, lui, par contre. Anne, ça va me faire mal au cœur, mais il y a des habitants comme ça, j'ai pas envie qu'ils partent.
Après, je sais qu'on peut choisir les habitants qu'on garde, mais... Mais c'est vrai que... Lui, il me ferait mal au cœur, il me fait trop rire. Donc elle est chez elle. Coucou Nora. Tu fais quoi ici? Non, je te taquine. Tu peux te pointer chez moi autant que tu veux. Tiens, c'est pour toi. Donc là, il restera Anne et Marilou à donner. C'est un cupcake d'anniversaire. Ouah, tu me gâtes, petite gaulerie. Eh, mate-moi ça, j'ai un truc pour toi. J'espère que ça va te plaire. Je vais pas te demander quel âge ça te fait, mais c'est vraiment parce qu'on est potes, gaulerie. Il y a quelque chose qui te tire du pin, gaulerie? Tu racontes quoi? Pas facile de me faire mieux que de la table bloc de bois pour empiler le courrier en retard. Arrête, Pookie, arrête. 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 Je crois qu'elle a plutôt dit on peut pas faire mieux. Je suis fatiguée et je parle et je dis n'importe quoi. C'est un truc de vrai. Bon, je les ai mis n'importe où les tulipes, mais on les récupérera plus tard. Faut qu'on fasse la déco de du village. Je vais plus avoir de place. Il y a des arbres partout. Après, c'est cool. Hein. J'ai envie de faire des petits villages, enfin des petits quartiers. Mais après, j'aimerais faire un grand verger pour éviter de trop me perdre au niveau de mes arbres fruitiers. Mais ça n'empêche que je veux bien des arbres tout partout parce que bah ça fait très naturel, justement, au contraire. Bon, on va aller vendre. On va aller vendre ce qu'on a récupéré. Que sinon on n'a pas assez de place dans l'inventaire. Je vais le vendre ça. Ah, j'ai ramassé des tulipes. Je vais aller ouvrir mes cadeaux aussi. Alors. Des clochettes.
plein de clochettes. Je m'excuse vraiment hein, si vous entendez des bruits de route, mais fallait vraiment que j'aère. Ça fait du bien d'ailleurs. Je suis sortie. D'accord. Macarons. Macarons. Ah, Marilou. Donc il me restera plus que Anne. Et ça sera notre dernière... Ça pour une surprise, comment tu vas? Tiens, je crois que j'avais justement quelque chose à te dire. Mince, impossible de me souvenir. Bref, ça me reviendra plus tard, Mumuzo. Sarah, c'est ton anniversaire, n'est-ce pas? Je lui dis anniversaire. Merci, tiens, c'est pour toi. J'ai plus de place dans mon inventaire. Comme c'est gentil de partager tes cupcakes d'anniversaire avec moi. Moi aussi, j'ai quelque chose pour toi. Putain, je suis agressée, là. Ça va bien. J'espère que cette nouvelle année t'apportera plein de bonnes choses, Mumuzo. Oh, tu voulais me voir? Si on discutait. Quelque chose me dit que tu as un macaron sur toi, Sarah. C'est un peu soudain, mais tu ne veux pas me le vendre pour 360 clochettes? Bah oui. Oh, merci mille fois, c'est un sacré coup de main que tu me rends. Tiens. En voilà un superbe macaron. Je suis impatiente de montrer ça à tout le monde, Sarah. Bah, de rien. Et regarde les papillons. Tu m'as fait peur. Ça va mon Séphie? C'est pas là non plus que je vais creuser. Voilà, comme ça c'est fait. Te voilà Sarah, merci pour tes conseils parce que du coup je pars. Oui bah j'ai vu, merci. Et tout ça c'est grâce à toi, j'étais pas fière à l'idée de changer d'horizon mais tu m'as rassurée. Promets-moi juste une chose, même si je suis plus là, maintiens le niveau de fun au max, ok? Je me demande quel genre d'avenir je vais me faire sur ma nouvelle île, mais j'ai trop hâte. On se reverra, c'est sûr, le monde est petit, c'est pas comme s'il y avait une infinité d'îles. Tu veux pas mon cupcake? Je voulais bazarder des trucs, mais pour voyager plus léger, mais je suis plus...
mais je sais plus ce que j'ai emprunté à ma mère. On se reverra. Bon, elle veut pas mon cupcake. Salut Anne. Défi est entre la fenêtre et la vitre. Entre le volet et la vitre, pardon. Je voulais continuer de ramasser les coquillages pour les vendre, mais j'ai plus de place. Oh, puis là, j'ai plus de place du tout. Bon, allez, je le mange. Sinon, j'aurais pas pu ramasser les noix de coco. Bon, de toute façon, je vais être emmerdée quand même. Trop de noix de coco sur cette plage. Là, j'ai les poches pleines. Chère personne inconnue, je faisais du ménage quand j'ai trouvé ce plan de bricolage coincé entre deux coussins. Je pense qu'il mérite d'être partagé, alors je l'ai embouteillé. N'hésite pas à t'en servir. Couronne de lys. Ah, je vais mettre ça sur ma... Sur ma porte plutôt que la couronne d'anémone. Puisque le lys, c'est ma fleur, on rappelle, hein. Trois lys jaunes, trois lys rouges et trois lys blancs. Par contre, des lys jaunes, je vais mettre un moment avant de les collecter, en fait. Je commence à avoir faim. J'ai besoin de deux places supplémentaires seulement. Et j'ai plus de place. J'ai besoin d'un sac à dos plus grand. J'ai plein de trucs à vendre. Qu'est-ce qui t'amène? Et encore, je pense que je vais aller sur une île. Je pense que je vais aller sur une île aujourd'hui. Mais c'est bizarre, j'ai l'impression... J'ai pas fini d'explorer l'île. J'ai encore toute la partie nord à faire. Je suis en train de tilter. Clochette. Je vais aller faire un dépôt aussi. Je peux pas garder autant de clochettes sur moi quand même. Bon, après je vais aller chez les doigts de fée de toute façon.
Faut que j'aille chez les doigts de fée. Anémone blanche. Pendule de Newton. Alors, utiliser le DAC. Dépôt. Je crois que je l'ai déjà. Celui-là, on l'a. Hein. Rechercher. Études. Ouais, celui-là, on l'a. Merde, pourquoi ça la ferme à chaque fois, la clé? Tarte pie. Façon, au niveau des poissons, il y en a un que c'est juste par pluie. Un que c'est au niveau du ponton. C'est des poissons rares. J'en ai au niveau des étangs aussi. Sais pas si vous avez entendu, mais... Après, ce sont des poissons d'océan qui sont assez rares, donc au pire des cas... Merde, quel code! Je voulais prendre des tickets. Ça va, bébé? C'est rien. Il y a des bruits chelous dehors. Trop bizarre. Non, deux, ça devrait suffire. Pour aujourd'hui, en tout cas, deux, ça devrait suffire. Ok. Donc maintenant, il faut que j'attrape des insectes, que je vende la mauvaise herbe et que j'arrose des fleurs. Ah, c'est des fleurs! D'accord. Joyeux anniversaire! Ah, 2000 miles quand même. C'est bon, c'est suffisant. Bon, il me reste plus qu'à revendre de la mauvaise herbe
Et je sais déjà plus. Et attraper des insectes. Alors, je vais ouvrir mes cadeaux pour libérer un peu d'espace dans mon inventaire avant de faire le nord de l'île, bien que le nord de l'île, il n'y a pas grand-chose en règle générale. C'est plutôt... Il y a des fruits, mais... après, il y a un peu de bambou, il y a... Alors, mes cadeaux. Ça, j'entrepose. Pendule de Newton. Le genre de truc qui me stresse. Cagoule stérile. Mon dieu. Sept paniers de vapeur à prendre. Je mettrai ça dans ma cuisine. Parce que j'ai que deux fossiles pour le moment, donc à mon avis, monture anniversaire. Le livre scolaire. C'est quoi ces cadeaux? Que ça. Robe à ruban. Oh bah justement, j'avais dit que je l'achèterais pas. Oh, les mims. Puis le violet, en plus, c'est la couleur de la chaîne. Enfin, certains diraient que c'est le rose. Mais en vrai, à la base, c'était le violet. C'est ça le costume de chenille. L'eau bougie d'anniversaire. Ah oui. Ça, c'est pour mettre dans la maison et crier « Aujourd'hui, c'est mon anniversaire !» Déjà que je veux pas être le centre de l'attention. Manquera deux lys jaunes. Et comme j'en ai planté que là, ça va être un petit peu long. C'est moi ou c'était une menthe? Je m'en veux. Là, je m'en veux terriblement. Hein. Je crois que j'ai vu un truc rose.
crois que j'ai vu un truc rose. Je vais aller le prendre sous ma couette. Au secours. Mais non. Je suis deg. Arrête de courir dans tous les sens, Sarah, s'il te plaît. Bon, après, si c'est aussi rare que les escargots, on en avait plein l'autre fois dans dans le jardin. C'était soi-disant très rare. Là, c'est une punaise. Bon. Oh, qu'est-ce que je m'en veux? Je sais pas si on y verrait grand chose là. Putain, ça traîne là, ça. Je trouve pas beaucoup de... fossiles, mine de rien. Ramasser ce qui traîne là parce que ça devient n'importe quoi. Tu as attrapé une menthe orchidée. En voilà un nom fleuri. Je m'en veux moins.
et OBS qui n'écoute pas ce que je raconte. OBS qui en a marre des sons aigus. Oh merde, non! Mais pourquoi? C'est à cause du cupcake que j'ai mangé tout à l'heure? Mais c'est pas la première fois que ça fait ça en plus! Mes cailloux! Rendez-moi mes cailloux! Faut que j'en attrape encore deux, je crois, des insectes. Petite palourde, tu viens avec moi. Ok, on a fait le tour de l'île. Mais non. Il m'en manque encore un de fossile, non? L'illumination. Je savais qu'il y avait un fossile au pied d'une falaise et j'étais pas sûre de l'avoir récupéré. Bah, il y en a même deux. Pas bonne idée. Je vais aller au musée avant. Je vais attraper les deux insectes qui me manquent. Et après, je vais faire une petite pause. Je vais vraiment faire que deux VOD et encore, je suis même pas sûre. Peut-être que je jouerai pas une heure et demie juste après. Je jouerai peut-être juste une heure. Parce que mine de rien, je suis un peu fatiguée. Donc du coup, je préfère me préserver pour ce soir. J'ai des tas de choses à faire en fait. Faut que je m'occupe de mon linge et puis de ranger un peu quand même l'atelier. Puis il faudra que je mange aussi. J'ai trop hâte. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé.
les insectes. Pierrite de la rave. Papillon commun, quoi. Mais c'est pas grave, c'est juste histoire d'avoir le succès pour les miles. Les gens s'en foutent. Les gens sont même tarés, dirais-je. Grand planeur. Bon, petite pause. Et pour la prochaine vidéo, on va déposer au musée, vendre des trucs, essayer d'attraper les 5 poissons qu'il veut, le mec. Et puis potentiellement aller sur une ou deux îles après. Bon, merci en tout cas les Pinous pour avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup pour votre présence, votre bienveillance. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo donc pour la suite d'Animal Crossing. Et sinon, prenez bien soin de vous. On se retrouve soit pour la suite d'Animal Crossing, soit pour un prochain live. Des bisous, ciao ciao. J'ai faim. Bref, des bisous.